Et on se retrouve en Chine où le ministère de l'Agriculture a décidé la stérilisation et la mise en quarantaine de plusieurs fermes d'un district rural de la ville de Harbin après l'apparition du virus H5N6 de la grippe aviaire dans la région. Des milliers d'oies seraient mortes depuis la fin du mois dernier. Le laboratoire de référence en matière de grippe aviaire a confirmé que les oies étaient mortes du virus H5N6. Pour prévenir l'épidémie, les 69 000 oies survivantes ont été abattues et jetées. Une zone de quarantaine d'un diamètre de 3 km a été établie. Les volailles de la région ont également reçu un vaccin anti-grippe aviaire. Aucun des villageois n'a montré les symptômes d'une quelconque infection. Nous avons lancé des observations médicales après que des sources épidémiques animales ont été éliminées. Et cela va durer 7 jours. Notre conclusion est qu'aucun humain n'a été infecté.